vraie cocotte. Papa, la meilleure bouteille est là. Mais attends, les autres sont des bons bouteilles aussi. Mais c'est toujours quand on a l'argentin, c'est toujours l'argentin qui gagne. Vous entraînez dur, il faut être passionné, aimer le sport, aimer le rugby, se lever avec un grand sourire et l'envie de progresser. Et après, il faut manger encore et encore et tout donner pour les copains. Et c'est comme ça qu'on devient fort au rugby. I have been working on my speed since I grew up back at home. The reason why I run fast is because I was a seventh rugby player back in Fiji. So that's why I get used to run fast. J'essaie de donner le meilleur de moi. Et des fois ça arrive que je tape très fort, mais des fois ça arrive que je tape moins fort. Mais je me concentre bien et je respire parce que normalement pendant le match tu es fatigué. Et après j'essaie de donner le meilleur. Oui, cocotte, pourquoi t'as un bras plus gros que l'autre? Oh, c'est ce que j'allais dire. Bah, c'est mon idée. Il faut aller travailler à la ferme, c'est ce que je fais. Et il faut aller couper des bois, c'est ce que je fais. Pendant 6 ans de mon enfance, de 12 ans jusqu'à 18 ans, je fais que ça, toutes les vacances, pour 5 euros par jour. J'ai gagné un petit peu de sous, mais j'ai aussi travaillé fort. C'est trop bien pour l'état d'esprit, mais surtout pour votre corps. Ne restez pas à la maison, jouez du play, et va travailler chez tonton, ça va mieux.